Alors caparda, c'est quoi? Caparda, c'est le petit coquillage que tout le monde connaît, qui qu'on pense que les gens pensent que ça vient d'Afrique, mais ça vient du sud de l'Inde. Et l'histoire raconte que cette indienne qui traverse l'Océanie pour se rendre en Afrique et qui fait la rencontre de mon grand-père qui est tisseur, qui vend des tissus à travers l'Afrique. Des années 70, 1969 pour être plus précis, ma mère qui a repris cette marque-là, qui faisait de la vente de tissus, qui vendait des tissus en Europe, qui se fournissait chez Villisco, qui existe depuis X temps. Le mot Caparda, cette marque-là, elle est rentrée dans la haute couture par la vente de tissus. Après mes études de mode, j'ai repris la maison en tant que directeur artistique pour rendre hommage à ma mère. Et un clin d'œil à mon grand-père. Aujourd'hui, Caparda va s'élargir avec des coupes toujours asymétriques, des coupes toujours avec des matières nobles comme la soie, comme de la dentelle. Une production éco-responsable, biologique, qui est super important pour nous. Si on doit me poser la question, quel est le projet qui m'a le plus tenu à cœur? Je dirais que Caparda est ma plus grosse fierté.